we're united. Kill the battery, but we can take the heat. Kill the battery, but we're the best and we don't hide it. Bonjour, on se retrouve avec notre super Anne. Comment on l'appelle? Ouais. On l'appelle Rodolphe. Oui. Ah, regarde, il a réagi. Bon, il s'appelle Rodolphe. Rodolphe. Donc, on continue notre exploration de la zone. Ah bah, moi c'est bon, je suis à dos d'âne, je suis content. Bah écoute, moi j'ai deux potions de speed, donc il a l'air rapide finalement ton arme. Il a l'air plutôt rapide. Ouais, hein. Ça va. Et il saute pas trop haut, mais ça va. Ouah. Alors regarde, il y a un vrai cheval là. Bah, raison de plus. Mais tu peux pas le prendre. Ah si, je vais prendre le cheval. Mais comment tu peux monter sur l'âne sans avoir mis la selle? Si, je l'avais mise. Ah si, tu peux changer, d'accord. Oh mais il était bien Rodolphe. Ah bah c'est bon. Quelle discrimination. Ah, il est beaucoup plus rapide lui. Ah bah il saute plus haut surtout. Ah bah c'est pas trop mal. J'ai cru voir un truc là-bas. Quoi que, il court un petit peu plus rapide mais il est un peu lent. Il est un peu lent tu trouves? Ouais. Il y a plus rapide mais... Ah, encore un poulet. Ouais, les pouletos. Encore une plume. Oula, ma caméra qui s'envole. Je devais faire un tour sur toi. Est-ce qu'on se rapproche de 0-0 là? Non, ouais. Enfin, globalement oui. On s'en rapproche. Moi j'ai dit non. Mais concernant les armures de cheval, l'or est bien plus protecteur que le diamant. Quoi? Ouais. T'aurais dû me le dire, j'en ai laissé des armures en or. Bah j'y ai pensé qu'après une fois monté le cheval mais... Mais d'où tu sors ça? Wiki. Je vais aller porter plainte. Non je vais pas aller porter plainte mais je... Oh! Faut qu'on aille porter réclamation à Mojang, c'est pas logique leur histoire. Ah ouais, on se fait des armures en diams, c'est tellement cheaté, mais pour les chevaux c'est de l'or donc bon. C'est pas logique monsieur, c'est pas logique tout ça. J'essaie de te trouver un chemin où tu peux passer toi aussi. Oh, je passe tranquillement. Ça va, c'est les feuilles. Dans une version où vous prenez des dégâts avec les feuilles. Ouais. Je m'en rappelle tellement. On s'éloigne quand même un peu, mais... Je vais passer par là. Bon, moi l'avantage c'est que je peux courir, mais... Disons comme on se prend les dégâts mutuellement. Tac, tac, tac. Ça se trouve on va trouver une jungle, hein. Ça peut être bien aussi. Ça pourrait être sympa. Passage. Pas sûr qu'il y aura une jungle, perso. Mais... Je sais pas, non, c'est pas dit qu'il y en a pas tout le temps. Il y a plus de la Dark Forest qu'autre chose. Oui, il y a beaucoup de... Ouais. Et de marées aussi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Ouais. Ah, t'aimes bien les marées, je pense. Hein. On a démarré dans un marais. Bah... Et on s'est marré. Voilà. Je sais même pas si on peut monter un mouton, d'ailleurs. Non, monsieur, on ne peut pas. Bon là on s'approche de l'endroit fatidique où il va se passer des choses fatidiques. Oh, je suis cool dans les armes. Et j'ai toujours pas trouvé mon poulet supplémentaire. Ouais, bien dommage. Un zombie là. Du canasson. Les poulets en général là-dedans, non? Dans la savane, ouais, ça va. Et plus de lapins qu'autre chose. Oui, c'est vrai. Après je peux partir un petit peu en avant parce que je peux reculer. Alors, on va pas aller tout de suite en 0-0 mais on reste dans le coin quoi. Ouais. Ouais le 0-0 c'est... Les premiers qui vont aller en 0-0 hop, hop. Salut Az. Salut. On peut te buter, t'es le seul. Bon bah... Ah c'est ballot ça. Bah si tu veux on peut te laisser vivant mais après voilà. Il y a des personnes sympathiques en diamant par là-bas. Bah, tu permets, on te bute et puis on arrive. Je vais quand même me casser. Il est où en fait? Il est en face. Ok, vas-y, va, rattrape plus, je suis derrière toi. Oula, tu vas super vite, hein. Même en speed, tu vas plus vite que moi. Continue parce qu'il y a Yanems derrière. Ah, c'est sûr qu'il est parti à gauche? Il est parti à droite, je crois. Hein. Il est parti à droite, hein. Azune! Il est parti à droite, je sais. Regarde, il a posé les cubes, là. Il est parti par là. Ah, ça... Il est là-bas, il est en face, je veux courir. Ah ouais. Continue de longer les côtes.
Mais il a speed aussi, je pense, parce qu'il va vite. Hein. De toute façon, faut pas qu'on s'arrête parce que derrière nous, il y avait Nems, donc. Effectivement. Ah, il a pu se cacher n'importe où, là, tu vois, il était par là. Non, mais... il est en face. Ah oui, je le vois, ouais. Derrière toi, je suis assez loin, mais je suis derrière toi. Il a encore 1, 2, 3, 7 cœurs, tu vois. Nous, on en a beaucoup plus. Alors, on prend des dégâts de chute. Ils sont à cheval. Mais oui. Aïe. Aïe. La Dark Forest, c'est pas le meilleur moyen. Il est où, il est où? Il est parti dans la Dark Forest. Ah, il est là. Merci pour le cheval. Ah, il m'a enchaîné. Ah, j'étais si proche des pouces rouges. Bah ouais. Mais non. GG. Bon, je vais prendre tes flèches, je m'en veux pas. Hey, j'ai failli me faire tuer par... Je me suis pensé par... Non, non, par Ika et Lupio. Ah. Et du coup, j'étais encerclé. Il y a du monde dans le coin. Il était derrière moi, donc... Bon. Bon, bah, merci. GG, hein. Merci. GG à toi aussi. Je commence à avoir trop de trucs sur moi, moi. Eh bah c'est cool. Bon, par contre, je tremblais tellement au niveau de l'arc. J'aurais pu le toucher plusieurs fois, mais... C'est stressant. Trop stressant, c'est chiant. Bon. Bon, bah c'est cool. On y a perdu plus de cœur qu'autre chose, mais faut bien, hein, faut bien. Ouais. On s'est fait au moins un kill, on n'est pas mort pour rien. Ouais. Donc je vais refaire des popos de speed, au cas où, je pense. J'en ai une sur moi. Ah bah... Non mais si tu perds ton cheval, garde-la. Ah oui. Jamais. Toc. Toc, il y a de l'eau pas loin, au pire je prends de l'eau ici. Toc. Donc on fait une petite pause. Si tu as looté de l'or sur lui... Non, malheureusement non. Ouais. Toc. Il manque une bouteille, je sais pas où aller. Elle est en l'eau, ok. Toc. Peut-être me vider un peu parce que bon, c'est bien beau d'avoir 36 stacks de bûches, mais... Ah ouais, tu sais, j'ai des Blaze Rods là qui me servent à rien. Des Eye of Thunder, des Eye d'araignée qui me servent à rien non plus. Ouais, effectivement. J'ai 11 d'Opsy, donc il en avait sur lui, l'Opsy. Ouais. J'ai vérifié à nouveau dans son stuff, on sait jamais. Pas pris le stuff en fer. Protection, protection. Il était pas super, super stuff, mais par contre, au corps à corps, il m'a fait mal parce qu'il avait une bonne épée quand même. Ouais. Il a quoi comme épée? Il avait une Sharpness 3. Hein. Putain, si j'avais assez de level, j'aurais pu faire une Sharpness 4. Ouais. Bon. Ouais. En même temps, il faut quoi 3 et 3, 6, 7, 15. Peut-être 15 levels avec le knockback, donc bon. Tac, tac. Allez, on met ceci. La Dark Forest, hein, ça m'a pris quelques coups par contre. Hein. Ouais, c'est dommage. Il a bien joué, hein, il a bien joué de toute façon. Ouais. Il aurait dû rester dans la Dark Forest, j'aurais pas pu y aller à cause des bûches. Mais ouais. Bon 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 bon. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça du coup? On va voir combien ça coûte de fusionner deux sharpness, mais je pense que ça coûte beaucoup. Ça dépend, c'est des deux. Ça coûte 12, à la limite. Ils sont là, ils sont là. Cours, cours. Eh hey, bande de bâtards là. Au toi, au vous, au vous. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh, va bien par là. Tu peux pas passer par là. Ah merde. On s'est pas pour l'instant. Merci le squelette. Cours, 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 épée. Hop, bonjour. Ah bah salut. C'était intéressant. J'ai une sharpness. Oh là 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 là, galère. Vas-y, vas-y. Je te hais, je te... Non, c'est nous qui vous détestons. Voilà. GG. Ça va, c'était bien le call bon, du portail. Il est où, il est où, il est où? Ah! Il est encore en feu! Mec, j'ai toujours une fire aspect, c'est illégal dans ce jeu. C'est illégal. Bon bah fuck. Oh là 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 là, c'est illégal. GG à vous, on aurait dû vous achever au début. C'est pas possible.
Ouais, ouais, on aurait dû vous achever. Vous aviez une meilleure position, donc on était parti. Ah, bien, bien joué. Allez, bonne fun game du coup. Ami, on est de retour. Ça va, toi, épée? Ça va, je me suis pris une dérouillée, mais. Ah, j'ai vu ma vie descendre pendant que j'étais en train de fuir. De fuir ouais. Nems. Ah, ça va, il a encore un bloc de diams. Oh. Mais oui, mais le diam servait plus à rien. Non! Il a mis ma tête! Non! Non! C'est la honte! Au bûcher! C'est terrible, les amis, c'est terrible. Ah, mais ils étaient bien, et justement, bah, je disais avec Nems, là, vu que t'as pas entendu, qu'ils étaient assez mal, tu vois, la première fois qu'on leur est tombé dessus. Et c'est vrai qu'eux avaient de quoi se cacher dans les murs et tout. Nous, on pouvait pas vraiment se cacher dans les murs. Et... On avait fui à ce moment-là. Peut-être qu'on aurait dû tenter de les achever. Peut-être qu'on serait mort plus tôt. On peut pas vraiment savoir. Mais en tout cas, au niveau de l'épée Nems, clairement, j'ai fait droite-gauche. J'avais plus de cœur. Fire Aspect. Et il a looté, tu vois. Il a looté sur les kills qu'il a fait. Ouais, donc, voilà. Ils étaient bien. Mais c'est vrai que, bon, KTP, quand tu fais des kills, tu te mets bien, quoi, tout de suite. Surtout Nems, hein. Ah bah oui, mais il faut avoir de la chance de tomber sur des joueurs, malheureusement. Les seuls joueurs sur lesquels on est tombé, bah ouais, c'était des joueurs qui jouaient bien. Bon, on avait tenté un petit peu. Mais c'était une belle saison, hein, franchement, moi j'ai bien aimé. Très bien, franchement ouais. Les heures, je suis content. Notre petite team, plutôt sympa, on n'a pas fait d'erreur particulière. On a été ni chanceux ni malchanceux pour une fois. C'est que j'ai l'habitude d'être malchanceux, mais là pour une fois ça allait. Donc je me suis bien amusé, vous pouvez aller voir du coup peut-être le point de vue d'épée pour voir un petit peu comment ça s'est passé sur la fin, et passer également sur les autres points de vue si vous avez envie de voir la fin de cette saison. Moi je partirais sur les gagnants, je partirais plutôt sur Nems et Fuka parce qu'ils ont fait pas mal de kills contrairement aux autres. Lupio et Ika, ils sont pas mal aussi. Lupio et Ika sont plutôt pas mal aussi. Ils ont fait quelques kills aussi, donc je pense que ça va s'ajouer entre ces deux teams là, qui sont plutôt bien stuff. D'ailleurs, Lupio et Ika... Peut-être une remontée, sait-on jamais, de Siphon et Aurélien, mais on les a pas vus de toute la saison. Je crois pas qu'ils aient fait d'action, donc. Bon, ils ont peut-être pas du. Ils sont peut-être bien stuff, on peut pas savoir, tu me diras. Ah bah, moi je peux savoir actuellement. On peut savoir. Viens, vas-y, on va aller voir tout de suite. C'est juste qu'ils sont également diams, ils ont fait une bite au centre. Voilà. Question d'habitude. Sérieux hein. Ouais, oui. Plus sérieux. Bah, ils attendent des joueurs alors. Ouais, ils ont même eu trop de diams, ils ont fait des houes, des pelles et des. Non, je pense pas que ce soit eux qui ont fait ça quand même. Non, si, je pense pas. Il y a le coffre. Non, mais il y a le coffre de quoi? Le coffre à côté du symbole. Ika et Lupio, tu vois? Ouais. Ouais, c'est Ika et Lupio qui ont fait ça. Donc bon. Bon, et bah ça va sûrement fight du coup. Tout le monde a ce petit cheval et sa petite armure en diams. Ah, regardez! Ah, attends, il y a le fight qui commence en plus. Viens, vas-y, on commente. Allons-y. Regarde, c'est Ika et Lupio! Contre Siphano et Aurélien. Oh, ça va? Tant que l'épisode n'est pas terminé, je propose qu'on reste et qu'on surveille un petit peu ce qui se passe. Par contre. Il n'y aura pas d'épisode suivant de mon côté, je vous le dis direct. Moi non plus. Il faudra que vous voyez les points de vue finaux. Donc ça se tape dessus, ça se tire à l'arc. J'ai l'impression que Sif et Aurélien n'ont pas de flèches. Si Aurélien en a. Aurélien en a. Sif aussi. Hein, mais Alors c'est juste qu'ils fuient, d'accord. Ils ont tous les deux un cheval. Alors ils pourraient tenter, ils ont l'avantage avec leur cheval. Mais les autres ont l'avantage de la position, ils sont en hauteur. Ça joue aussi. Là ils se séparent un peu, j'ai l'impression. Ika et Lupio, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont? Ils tombent pas? Contourne un peu, je sais pas. Ça contourne, ouais. Non, ça contourne, je pense que tu as raison. Ils ont des potions. J'ai pas vu de potions sur l'équipe d'en face, mais de toute façon, c'est le speed qui est intéressant. Et... Ils ont les popos. Sif et Aurélien, ils ont les popos. Sûrement qu'ils les ont, de toute manière. Oui, c'est juste que ça ne fera pas la grande différence, vu qu'ils ont pour l'instant un cheval. Et donc ça arrive, mais je ne les vois plus, moi, Sif et Aurélien. Moi, je les voyais, mais c'était Lupio et Ika que je cherchais. Mais... Ah bah, ils sont... Là, ils sont là. Ah bah ils se fight, bon, c'est bon. Ça continue. Ah contre Fuka et Nems. Attends mais d'où? Bah retéléporte-toi sur eux. Essaye de trouver où ça se passe. Près d'un désert, d'une plaine et Ouais je vois, ça va. Ils sont un peu plus loin. Alors. Près d'un désert tu dis? Ouais, savane. Savane, je la vois pas la savane. Je vois le désert. Alors je vais me téléporter, tu me dis sur qui? Sur Nems. Ah il est pas sûr, bah je prends Fuka vu qu'il est pas... Toc. Ah oui ça se fight ici, il y a une petite maison, mais attends mais ils sont combien de milliards là? Ah oh bah là voilà. Ah mais Bill il est en train de construire sa maison, d'accord. Ah bah Bill est... Ah mais c'était là aussi, oh là là. Il est en feu, il est en feu. Oh le combat de Tarn. Oh là 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 là, il se fait combo par Nems. Oh là là, et Nems qui a combien de points de vie? Bah il est full. Oh qui était encore quasiment full life hein. C'est voilà. Terrible. Et du coup, Aurélien, il doit être très mal, bah il est mort, voilà. Voilà. C'est drôle, hein, ces règles quand même, parce que du coup, ça va très vite, hein, les combats. Ah bah, bizarrement, ton nombre de cœurs, il descend à une vitesse grand V. Et je dis bravo à Bill qui, visiblement,
essayer de faire une maison. En souvenir de sa chère femme tartine, qui a fait pousser un très bel arbre et tout, une petite maison. C'est mignon. Il commençait à construire sa ferme. Donc Aurélien et Sif se sont fait imploser, mais là-bas, Lupio et Ika vont tenter une embuscade à la ferme. Cet épisode serait-il l'épisode final? Il reste 4 minutes, les amis. La tension est à son comble. Bah, il reste encore Jiraya. L'embuscade, regarde. Il est séparé. Nem, c'est seul. Il court. Le furet. Eh non, Fuka qui arrive derrière. Oh mon dieu. Il rejoint son coéquipier. Magnifique. Fuka qui a l'avantage avec son cheval. Les arcs, je pense plutôt en faveur de Fuka, mais je peux pas trop dire. Mais je sais que c'est quelqu'un qui joue à l'arc, donc je pense qu'il a un très bon arc. Ouh, ça tente le corps à corps. Oh. En fait, Ika derrière. Il a pas trop apprécié le coup du corps à corps, visiblement. Ah, raté Ika. Est-ce qu'il est isolé? Le saut de lave. Vas-y, oh là là. Défonce-le. Le saut de lave, le saut d'eau, on comprend plus rien. Deux contre un, mais Lupio qui perd, ça recule. Ouais. Ça recule, mais ça a plein de vie des deux côtés. Ah, la bonne fire, hein, ça fait mal. Et là, les deux se tapent, mais Nems et Fuka sont bien devant en termes de vie. Lupio qui n'a plus beaucoup de points de vie. Lupio qui va être mort. Quelque chose, et voilà. Qui reste un mi-cœur, il est mort. Ils les ont bien blessés. Putain. Franchement, ils sont à 10 cœurs. Ils sont à 10 cœurs, mais ils ont looté des pommes. Mais ils sont à 10 cœurs. Il reste Skyheart qui est en mode solo. Et puis Gigi et B-Boy. Gigi et B-Boy. On sait pas trop où ils sont. Ils ont fait un kill, non, Gigi B-Boy, il me semble quand même. Oui. À un moment. Ils sont au village, mais par contre, ils sont quasiment aux limites. Ah oui, ils étaient dans le Nether, je pense encore. Ouais, donc. Je pense qu'en 2 minutes, on n'aura pas le temps de voir le fight. Non. Malheureusement. Mais c'est cool. Franchement, c'était une belle game. Spectate. Ah, et Skyheart, du coup, il est où? Je vais aller voir quand même, du coup. Il est. Touche 3. Tac. Il est en train de faire le bûcheron, on ne sait pas où. Mais attends. 500, moins 200. Ouais, un peu nulle part, il fait le bûcheron. En même temps, faut qu'il regagne un peu de vie. Hein. Ouais. Bah, il a bien raison, moi. En même temps, vu l'équipe en face. Moi, ce que je ferais à sa place, ce serait plutôt d'attendre et de surveiller les équipes. Et de tenter de faire quelque chose pendant que les deux équipes s'affrontent. Plutôt que de faire le bûcheron. Oui. Mais peut-être qu'il a une tonne d'or et ça on peut pas trop savoir. Si je peux rentrer dans son inventaire, je crois, non? Non. T'as pas rien. Je peux rentrer dans sa vue, mais pas dans son inventaire. Il reste 2 minutes, les amis. On va retourner voir un petit peu ce que font Fuka et Nems. Ils sont sûrement en train de construire quelque chose encore. Non, ils ont mis feu à la forêt, je sais pas si c'était volontaire. Non, c'est la lave qu'il a foutu. Ouais, je pense que c'est la lave. Mais non, voilà, je pense qu'ils vont vraiment gagner. Hein. L'équipe Jira B-Boy a un peu plus de points de vie, si on compte, si on additionne les cœurs. Je vous laisse compter, les amis, parce qu'il y en a beaucoup trop. Là, il y a du stuff, il y a tellement de stuff. Il y a du DM, des plastrons en DM, c'est tout. C'est la fête. Bah, ça, c'était celui de Sif. De Sif, regardez, ouais. Sa tête qui tourne. Ils n'ont pas fait de monument commémoratif. À mon avis, ils ont fait un monument pour nous parce qu'on les a brain un petit peu dans le Nether. Ça ouais, doit être surtout ouais, ça. On les a titillés, je crois qu'on était la première équipe qu'ils ont rencontrée. On les a titillés. Faudrait bien voir la réaction de et Nems. Et puis tu me diras, bon, on a un peu fui, mais ça va. On a mis quelques dégâts quand même. Ouais, ça va. On s'est pas laissé faire non plus. On a eu un kill, on a eu Az. On a eu Az, le pauvre, qui a failli nous échapper. Ouais. En courant. Merci le cheval, parce que sinon je l'aurais perdu. Oh. Non, j'ai rien dit. Fuka qui part en mode... Ouais, en mode j'explore. Où sont les autres? Encore loin, je pense que c'est encore loin. Ils sont encore à 500 cubes, mec. Bon, et bah le fight final, ça se passera du coup sur les autres chaînes, sur les chaînes restantes. Toc, je vais retourner au niveau du milieu, là où tout se passe. On se regroupe au niveau de la petite maison de Bill. Ouais, on va se laisser là tous les deux, visiblement, du coup. Donc merci les amis d'avoir suivi cette saison, c'était un grand plaisir de la faire. Je referai des KTP, je referai des petites Top Gun et tout ça. Et bon bah toi aussi vas-y, fais ton petit message. Bah moi on a eu une bonne aventure, ça fait vraiment plaisir de combattre à tes côtés. Ouais. Et une bonne équipe, et puis vu que c'est la fin de l'épisode aussi, YOLO. Et bah on vous dit au revoir et portez-vous bien tout simplement. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Bisous.